I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour l'épisode numéro 10 du défi sans abri. On retrouve Eva Monroe et comme je pense que c'est le dernier épisode du défi, je suis accompagnée de Chouchi. Coucou. Voilà, donc Eva est encore au lit, j'avais oublié d'enlever la pause. Je l'ai fait un peu travailler hors caméra. Je l'ai fait peindre, je l'ai fait un peu réviser la cuisine. T'as triché. Alors, non, j'ai pas triché. T'as triché? Non. J'ai pas triché. J'ai juste fait un peu hors caméra parce que le dernier niveau, c'est trop difficile. C'est trop dur, dur, dur. Donc, on peut voir qu'elle est bientôt au niveau 10 de la compétence. Peinture. Et bientôt au niveau 10 de la compétence. Chris Hay. Yeah! Donc bon, là, elle a cassé la douche, donc elle répare ses bêtises, en fait. Ah là 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 là! Là, j'ai baissé un petit peu le son des Sims, parce que c'est un peu fort dans le casque. Tu n'as pas fait faire du sport encore? Eh non, faut que je l'entretienne un peu. Ah, mais ben je pense que ce sera l'épisode du relooking. D'accord. On va juste finir, faire en sorte qu'elle finisse tous les trucs de compétences, là. Puisque, rappelons les règles. Alors, je reprends mes petites notes. J'ai un bug. Donc, le mini défi Tante Edna a été réalisé. Et j'ai le mur de notification qui est plein. Évidemment. Donc, le mini défi Tante Edna a été réalisé. Elle nous a donné 1000 simflouz. Merci, Tata. Merci, Tata. Le permis de construire, ben ça y est, c'est fait. Youpi. Puisqu'on a notre maison. Ouais. Ensuite, le nouveau vous, on va pas le faire. Je le répète à chaque épisode, mais non, on ne le fera pas. Parce que je veux pas modifier ses traits de caractère. Et donc là, en fait, on attend d'être au maximum dans 3 compétences pour pouvoir se relooker et pouvoir obtenir un emploi fixe. Youpi. Voilà. Et donc, une fois qu'on a tout ça et qu'on a nos 5000 simflouz en banque, bon, on les a, hein, puisqu'on a 10 000. Une fois qu'on a nos 5000 simflouz en banque et que tous les mini-défis sont réalisés, eh bien, on aura terminé le défi sans abri. Yes. Donc, en parlant d'argent, Eva a peint une jolie toile. T'as triché? Non, j'ai pas triché. Elle a peint cette jolie toile de petits cochons qui tombent du pommier. Ouais, t'as triché. Alors, je comprends pas parce qu'il y a des pommes rouges, des pommes vertes et il y a des glands aussi. Ah oui, d'accord. Et des cochons. Et donc, cette jolie toile est un chef-d'œuvre et elle vaut la modique somme de 4753 simflouz. Donc, voilà la jolie toile, le joli chef-d'œuvre qu'a fait Eva. Donc, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je le vends? Est-ce que je l'affiche? Vends-le, ça fera une pièce en plus dans la maison. Oui, c'est sûr, surtout que si elle fait sa vie avec Malcolm Plenoses. Ouais, Malcolm, il sera content qu'elle ait un capital de départ, quand même. Quoi que je pourrais la mettre s'ils ont une chambre... Oh, elle a envie de faire pipi, mais... Je me suis pas occupée de ma petite Eva. J'allais dire, si elle... ils ont un bébé, il peut afficher la toile dans la chambre du bébé. Ouais, mais enfin, pour un bébé, une toile à 4700 simflouz... Je suis désolée, mais bon, non. On va la vendre. On va la vendre à une galerie d'art. Le bébé, après, il va mettre les mains dessus. Le chocolat. Si j'encadre la toile et que je la vends après, est-ce que ça va coûter plus cher? Non. Qui c'est qui vient taper à ma maison? Oh, il y a Summer, il y a Barbie. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Alors, demandez conseil, je sais pas pourquoi. Seule, malheureuse de ne pas passer plus de temps avec d'autres Sims. Eh ben, va voir Summer, elle vient te voir. Oh putain, j'ai des bugs. Parler de cuisine. Elle est triste. Bon, on va aller manger un morceau ensemble. Attends, on va sortir un plat. On va manger d'haricots saucisses. Ouais, elle est jolie, Summer, n'empêche. Hein. Ouais. C'est une jolie cimette.
J'espère que Eva va être aussi jolie qu'elle. D'ailleurs, je me languis de la relooker. Elle discute pas pendant qu'elle mange? Tu parles, s'en fout, se meurt. Franchement. Je suis trop belle pour toi, moi, donc je parle pas avec toi. Mais offre-moi des Fais ricochets. plus ça. Ah, ça y est, elle discute. Divertissement, oh purée, faut un peu que je me prenne un peu soin d'elle, hein, parce que oh, c'est vrai que c'est son ex ou je sais pas trop quoi là. Malaise entre ces deux Sims. Et oui, parce qu'elle m'a vu embrasser Malcolm, alors elle est pas contente. Voilà. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se remettre en Ouh, elle forme. dit le secret. Essaye de les faire se remettre ensemble. Ah ouais, on va essayer. Attends. Amour. Technique de drague. Oh, elle se sent plus, dit. Ouais. Yeah, s'enjôleuse. Vas-y, essaye. S'extasier sur le partenaire. Malcolm, tu Mais, pourras le faire. elle, ouais, Malcolm, il Comme va ça, se faire foutre. elle pourra adopter un petit orphelin. Et en plus, j'ai la photo de Malcolm dans le salon. On s'en fout de Malcolm. T'es à retourner les cadres, c'est Embrasser bon. les mains. En plus, elle est jolie, ce mec. Ah bah Ou alors, on peut faire que ce que Malcolm, il soit le géniteur. C'est ça. Tu fais un bébé Voilà. avec Malcolm, Un mais... bébé éprouvette. Ah non, c'est pas un bébé éprouvette, c'est un bébé quéquette, là. Ouais, ben, éprouvette quéquette. Éprouvette quéquette. Et comme ça, elle se remet avec elle, et elle se met avec ce mot. Demandez si la personne est célibataire. Normalement, elle est célibataire. Ouh! Le calendrier. Yeah, elle est célibataire. Avouez son attirance. Amour. Je veux un bisou. Embrasser. Oh! Elles se sentent plus toutes les deux. Ouais. Ouais. Elle lui fait le bisou ou Le pas? bisou, le bisou, Ah, c'est le assis, bisou. feignasse. Elle a envie de regarder la télé. Embrasser. Oh, quoi qu'elle aurait pu l'embrasser ce... Oh, yeah! Alors. Amour. Envoyer un baiser. Qui c'est qui m'appelle? Oh, Liberty, tu me casses les pieds. Elle me harcèle, cette fille. Alors on va regarder la télé ensemble et je vais la câliner sur le... Ouh, il y a les assiettes qui puent là. J'ai voulu mettre un lave-vaisselle l'autre jour à Eva. Eh ben, elle s'en est pas servie. Elle Il faut faisait la cliquer sur le vaisselle avec... lave-vaisselle et faire remplir le lave-vaisselle. Eh ben, c'est nul. Ben non, tu remplis le lave-vaisselle. Tenter un rapprochement. Ouh là, elle est Bah énervée. allez, oui. Ouh. Oh. Je suis fatiguée. Hein? Embrasser langoureusement. Tu te rappelles dans les Sims, ils se jetaient sur le canapé? Ouais. Enfin, dans Elle les se Sims, dans les regarde Sims là, le blanc 1, dans des les Sims yeux. 2. J'ai pris une photo. Oh. Pas bien. Bah, j'ai le droit de prendre une photo quand même. Arrête de mater, oui. Je fais que ça, mater, mater, mater. Alors, invité à rester dormir. Et là, Malcolm dit. Yeah! Génial, elle veut. Bon, faut que j'aille faire pipi. Et peut faire crac-crac. Elle a le droit de s'amuser. C'est pas parce qu'elle est homeless C'est qu'elle ça. peut Bah, pas elle est s'amuser. plus tant homeless que ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Alors, on va aller faire crac-crac. On peut faire crac-crac ou pas? Je sais pas si elle veut faire crac-crac en fait. Murmurer suavement. Elles peuvent. Hein. Ben, j'ai même pas l'option encore sur le. Non, mais le débat, Ah, parce faire que. crac-crac! Bang bang into the room! C'est ça. Yeah, va faire crac-crac! Eh ben, dis donc, ma SDF, elle a plein d'expériences Ah amoureuses. Tu sais comme elle est trop belle, cette toile? ouais, Je l'aime trop. On dirait Pocahontas, on dirait... Enfin, ouais, genre une indienne. c'est ça.
Elles sont à fond là. Ouh, elle a bugué, elle a été éjectée du lit, dit. J'ai dit, dégage, c'est beau. Non mais viens dormir, attends. Je vais dire... attends, parler. Baiser passionné. Je sais pas si tu peux lui ordonner de dormir. Non, on va dire s'asseoir ensemble. Et moi, je vais dormir. Peut-être que si elle reste assise sur le lit, au bout d'un moment, elle va s'endormir. Ce serait beau. Quoique l'autre jour, j'ai invité Balcom, il est resté sur le canapé. Hein. Putain, quel gentleman. Mais il a même pas dormi, donc est-ce qu'il n'y aurait pas des bugs? Tu vois, elle a envie de faire pipi et tout, et... Ah, attends, est-ce que hey, c'est l'autonomie pas, genre... Mais elle y est, l'autonomie, me semble. Total. Elle y est, l'autonomie. Ah oui, c'est bizarre. On va faire ça, appliquer. Et je vais réactiver. Peut-être qu'il y a eu un bug. Parce que tu vois, elle bouge pas. Hein. Ah, ça y est. Elle est allée aux chiottes, en fait. Oh putain, elle m'a cassé le lavabo. Non, mais qu'est-ce que t'as fait? Attends, je vais l'engueuler. Allez, vas-y, invite du monde à te casser. J'ai su. Oh non. Attends, je vais l'engueuler, elle a cassé mon lavabo. Mais ça va. On va pas exprès. Ah, allez, réparer. Tu sais comment elle a regardé avant de réparer le... Ouais, elle lui a fait péter de regard. Tu crois qu'elle prendrait la serpillère et qu'elle détoile? Non. Même pas. Mais non, mais c'est Barbie. Barbie se fait servir. Fenaya. Ah. Ah, nettoyer, essuyer. Ah, bah, non, elle, je fais tout devant elle et elle fait rien. C'est... Elle va dormir. Mais n'importe quoi. Et moi je vais me pisser dessus. Enfin Eva elle va se pisser dessus. Tu dois entendre des sons. Ouais. Mais c'est rien, c'est pas grave. C'est le désagrément. Le désagrément du direct sur YouTube. C'est ça. Alors enlever la nourriture gâtée. Alors, il faut vraiment là que je la fasse. Alors elle va manger et après elle va lire le livre de cuisine parce que il faut qu'elle ait ces trois compétences là. Le courrier d'aujourd'hui a été distribué. Ouais, et les factures. Ils peuvent dire qu'il y a un courrier. C'est des factures, après ils ont mis facture. Ouais, mais bon. Il n'y a jamais une carte postale ni quoi que ce soit. Il faut le chemin, il faut les gratter les cartes postales. Tu vois des fois... Ah, ça y est. Alors, bientôt. Alors, redire. Encore? Bah ouais, parce qu'elle a pas fini. Elle est à la fin, elle est au bout, là. Et elle a lâché le livre. Allez, tu peux y arriver. Allez, vite. Tu peux y arriver. Yeah! Ah non, mais elle est niveau 9, oh putain. T'es que je suis con, je croyais que c'était niveau 8. Oh là là. Il va falloir un épisode de plus. Je me suis fait un spoil. Non, non, mais je vais augmenter tout ça hors caméra parce que ça va pas être possible. Alors pas de taux, de taux, de flow. Ah non, pas de taux, de taux, de taux. J'ai fait une petite pause parce que Chouchi nous a abandonnés. Je suis triste. Non, mais en fait, elle doit partir travailler. Et l'épisode prend plus de temps que prévu. Donc voilà, on n'a pas eu assez de temps pour qu'elle soit là jusqu'à la fin. Eva, ben, elle n'a pas fini sa compétence cuisine. Tout simplement parce que je me suis trompée. Je croyais que c'était niveau 9 de la cuisine. Et fin de compte, non, c'était niveau 8. Donc, voilà. Mais en tout cas, la peinture va bientôt être finie. Je pense que si je lui fais faire quelques toiles encore, ça devrait y aller. Il va falloir qu'elle fasse un peu son ménage. Ah, Summer est parti. Ok. Yeah, quelle belle toile. Bah, tu vas la vendre.
Tu vas la vendre et je veux vraiment qu'elle finisse un peu sa compétence peinture. Alors, toile pop art grande, on va lui faire faire plein de toiles d'un coup. Ah mais je voulais lui faire plein de toiles d'un coup, mais c'est pas possible. C'est nul, oh. C'est quoi qu'elle va nous faire? Yeah, à fond les palettes. C'est bon niveau 10, yeah, alléluia. Alléluia, mes frères. Qui c'est qu'il y a là-bas? Marc Dupont et Léa Fournier. Du coup, le jardin est laissé complètement à l'abandon. D'ailleurs, je sais pas si je vais pas tout enlever parce que finalement, la compétence jardinage, pour le moment, ça va pas trop lui servir. Alors, elle a pris une douche, mais ça lui a servi à rien. Prendre une douche tonifiante, ensuite tu vas enlever la nourriture gâtée. T'as plein de choses à faire là. Qu'est-ce qu'elle a bouché les chiottes? Tain, mais il y a tout qui tombe en panne en même temps. Et ouvrir. Tu as mangé du cake aux fruits. Et tu vas lire le livre de cuisine. Alors elle est contente là de son cake aux fruits. Délice aux fruits. Il y avait vraiment des fruits dans ce cake. Peu importe, il était délicieux. Alors c'est parti pour l'avance rapide. Nous, on veut le niveau 10 de la compétence cuisine. Alors là, elle vient de me mettre un vent. Elle s'est levée, elle a rien dit à personne et elle est allée au lit. Tu m'as pris pour qui? Ah mais elle a mangé le cake, mais en fait ça remonte rien du tout le cake. La douche c'est pareil. Elle a pris la douche il n'y a pas longtemps et elle est déjà sale. Alors est-ce que c'est les habits qui seraient trop sales maintenant? Et elle remange du cake et tu vas encore avoir fait après. Ça sert à rien le cake aux fruits. Et nettoie. Il faut nettoyer les assiettes. Et tu vas lire la cuisine. Moi, je veux que tu aies ce niveau 10. Allez. Courage, Eva. Tu vas y arriver. On a confiance en toi. Tout le monde te soutient. Non, mais où elle va? Mais elle veut pas le lire, ce livre. Hein. Elle a pas envie en fait d'apprendre la compétence. Ah mais il faut que je paye les factures, c'est vrai. Sinon on va me couper l'électricité. Mais elle lit mais ça sert à rien. Ok donc. Je sais pas, ça m'a l'air de servir à rien. Je vais supprimer là tout ça. Parce que sinon ça va la déstabiliser. Et puis de toute façon, maintenant, on n'a plus trop besoin de tous ces trucs. Et puis après, elle va avoir... elle va avoir, comment ça s'appelle? Un emploi à plein temps. Du coup, elle aura plus le temps de s'occuper du jardin. Alors, on va peut-être faire une aire un peu de pique-nique. Voilà, on va faire un truc comme ça. Y a pas quelque chose là pour s'amuser au coin du feu? Oui. On va faire ça. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On va mettre des torches. Les torches et les torches et les torches. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bon, on va mettre ça. Voilà, ça lui fait un petit coin. Peut-être je vais rajouter un ou deux arbres. Après, s'il y a le feu, je vais pas mettre grand-chose. Voilà, on va mettre ça. On va le mettre là. Voilà, un grand arbre comme ça, ça suffit. Ça suffit maintenant! On pourrait lui mettre peut-être des petites plantes ici aussi.
On va lui mettre juste ici là parce que. Après, sinon, ça va prendre trop de place. Un petit buisson. On va le mettre ça. Ça, on va le mettre là. Voilà. Ici, on va mettre un petit buisson. Quoi qu'on pourrait peut-être changer la couleur. Si on met celui-là, ça sera mieux. Voilà. Là, il y a sa petite poubelle. Et on va remettre un petit buisson. Ouais, je vais en mettre là. Sa poubelle, on va la déplacer, je pense. On va la mettre ici. Comme ça, je vais remettre un petit buisson ici. Voilà. Voilà, comme ça, c'est un petit peu plus fleuri. On va mettre ça là. On va mettre ici. Quoique non, j'aime pas. On va juste laisser ces deux-là. Voilà, ça fait pas mal. Ça fait un petit coin pour l'été au coin du feu. Alors, on va retourner en mode vie. Et tu vas regarder la chaîne cuisine. Ça va lui faire apprendre la cuisine tout en montant. Alors, qui m'appelle ? Payer les factures, oui. Elle... Ah, bah c'est bon, elle peut le faire en même temps. Oh, bah c'est cool. Non, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Ah, bah ça va, elle peut tout faire en même temps. Non, mais regarde. Je sais pas pourquoi elle s'en va tout le temps. Bon, c'est super long à monter là. Le dernier point de la cuisine. C'est pas possible là d'essayer de relire. Et en plus, ça lui fait même pas. C'est bizarre parce que ça lui fait pas monter. Enfin, y a pas la jauge là pour monter la compétence. C'est quoi ça? Non mais. Cacophonie, s'ennuie un peu à lire un livre avec un faible niveau de compétence. Mais c'est le niveau 3. Acheter des livres, on va voir. Il n'y a pas de niveau 4 pour la cuisine. Avec cuisine gastronomique, c'est autre chose. Il n'y a pas des recettes à apprendre. Je sais même pas. Violon, pâtisserie, piano, peinture, mixologie, malice, logique. Livre Miam, quelle est cette odeur? Oh, un guide complet d'un grand chef pour apprendre à créer le plat parfait. 2500 simflous quand même, hein. Bon, on va prendre ça. On va lire ça et on va voir. Est-ce que ça va lui faire augmenter sa compétence ou pas, vu le prix? J'espère bien quand même, hein. Ouais, mais non. Non, 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 tu vas le relire. Et tu vas le lire... jusqu'à ce que je te dise d'arrêter. Non, Summer, c'est pas le moment, là. Je suis en train de m'emboucader avec le livre. Bon, j'ai du mal, là, avec la compétence cuisine. J'ai un petit souci. Elle a plus envie. Donc bon, c'est pas grave. On va arrêter l'épisode là. Finalement, il n'y aura pas 10 épisodes, mais il y en aura 11. Puisque je vais essayer hors caméra toujours de faire augmenter cette compétence cuisine. Je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas augmenter. Je ne sais pas du tout. Donc je vais essayer de remédier à ce problème. J'espère que l'épisode vous a plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à laisser des pouces verts. Enfin, c'est pareil. Et à laisser des commentaires, plutôt. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt.